Oui, il lui a dit. Kratos lui a dit qu'il était un dieu. Vas-y, défonce la gueule. Arrête. Arrête, il se moque de l'ennemi. C'était énorme. Il se moquait du monstre et tout. J'ai jamais vu faire ça. Ah, c'est là qu'on amène le cristal. Haha. Stylé. Il nous manque toujours un signe à détruire. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, rien. Salut Céline! Bienvenue. Il nous manque encore un truc. Peut-être en haut. Ah, le cristal, suppositoire. Tada. C'est à moi. Là. On a eu encore plein d'enchantements, il faudra faire le tri. Tout ça, je le ferai plus tard. Colère enflammée. C'est bon. Colère enflammée.
La tenue à l'arrêt. Ouais, t'as une seule barre d'argent. Ouais, c'est bien ce que je pensais, une seule barre d'argent. Mais elle augmente vite au moins. J'espère pour avoir une seule barre de rage, il faut au moins qu'elle l'augmente genre en 4-5 coups et hop, elle devrait être pleine. Enfin, j'espère. Oh, on a encore un cristal à transporter. J'en ai marre de traîner des cristals. Des cristaux. Où est-ce que c'est? Là-bas. Atreus va le chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Ouhouhou. Attends, c'est où? Là-bas. Ah, j'ai peut-être pas ouvert la porte en fait. Ah si si, je fais. Dun, 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 dun. Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien. Logiquement, il n'y a pas un vortex qui apparaît ici? Peut-être que... il apparaît pas vu que j'ai... vu qu'on l'a fait en normal. Enfin, en normal, en... dans le jeu d'avant. Ah, je l'ai fait la lumière. Ah là peut-être. Ah, ouais. Yes. Bien vu. Il me manquait une torche. Je vois rien. Ça, vite. Bam, bam, bam. Oh, on a tué tout le monde. Non. Oh, putain. Change d'arme. On l'a eu. Il devait rester genre 3 secondes, 2 secondes. J'aime bien parce que la hache elle fait des dégâts de feu aussi maintenant, c'est cool. Avec la rage enflammée là. Donc contre eux c'était pas mal. Vu que je préfère utiliser la hache. Bon bah, on est bon. Je crois qu'on a tout fait, on peut se casser. Allez, île suivante.
On peut pas sauter directement. Les lames du cal font des dégâts de glace ou de foudre ou plus de leur flamme. Non, elles font rien, elles font que du feu pour le moment. Oh putain, mais c'est où qu'on sort? Salut Kissim, bienvenue. Ça y est. Ouh, putain, pour trouver le bateau, vache. J'ai un pommeau enflammé. Avec des feux de l'enfer. J'ai le pommeau tout rouge. Tête, tu connais des histoires. Mais en as-tu une qui nous divertisse? Je te demande pardon? Il vient de t'insulter. Oui, j'avais compris. Vous voulez une histoire du tonnerre, n'est-ce pas? Très bien. Je vais vous raconter l'histoire de Runnir. La véritable histoire. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. Plus tard. Ouh, sa gueule! Sa gueule! Si tu veux, Orion, tu peux bannir les golasses. Si ça t'amuse. Le dernier os. Oui. Nous devrions les rapporter à l'esprit. Ah là. Peut-être qu'il tiendra parole. Je sais qu'elle reviendra pas, d'accord? Je le sais. Mais je. Ah, ici. Attends, je lis le message après. Après avoir envoyé mes petits rochers grecs. Tout le monde est mort. Allez, ça fait longtemps, love pour Kratos. Merci beaucoup, Kissy, pour les 100 bits. 100 bits. Merci infiniment. Pour le légendaire Kratos. Des offrandes pour Kratos, c'est pas mal, ça. Ah. Yeah. Plus d'offrandes pour Kratos. gamin? Ouais. Seulement 15 secondes pour l'elfe. Ah! Du langage! Je crois. Encore un morceau du code. Oh putain, t'es sûr. Génial. Oh, dragon! Ah, Fafnir. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Fafnir? Le Fafnir de la réserve? Celui-là même. Mais Sindriadic, c'était un nain. Avant. Maintenant, c'est un dragon. La vie joue de ses tours, hein? Il est enchaîné. Nous devrions peut-être trouver les hôtels d'obédience et libérer le pauvre bougre. Qu'en dites-vous? C'était un nain. C'est devenu un dragon. Super logique. Là alors.
Oh non. Bouclier contre bouclier. Colère enflammée. Pfiou ! On tire des lasers, c'est cool. Enfin, des lasers. Des lames. J'avais oublié ce détail. Ou Fafnir nous cracher dessus. Ton ami est devenu un dragon, lui. Oh, mais ce n'était pas un ami. Ce petit fumier était un véritable emmerdeur, autant pour les vannes que les as. Alors pourquoi le libérer ? Croisant un ancien captif, mon frère. Il mérite d'être détenu ici. Pas même un cupid qui est devenu dragon. Hop là. Tu n'as pas répondu à la question d'Atreus Tête. Comment le nain est-il devenu un dragon ? Eh bien, je n'en suis pas certain, mais je suppose que sa tendance à voler des artefacts magiques n'y est pas étrangère. Il a dû dérober une babiole de trop à une déesse vanne. Atreus, par ici. Kratos est un humain qui tue des dieux, qui devient un dieu, qui tue son père, et tuant tout le monde sur son passage, qui finit dans le pays d'Odin avec un gamin qui a un potentiel 20 fois plus puissant que lui au final, et tu trouves qu'un nain devient un dragon, n'est pas logique, c'est vrai. Kratos est un dieu à la base, c'est pas un humain. Au début il croyait que c'était un humain, mais en fait c'est le fils de Zeus lui-même. Il fait juste un pacte avec Arès. Un dieu ou un demi-dieu. Maintenant on peut passer. Non. Ouais, demi-dieu. Ouais. Avance. Ah ouais. Saute. Saute. Ah non. Ah ah. Oh wow. Il m'a touché. Ah, vous faites chier. Je l'ai vu venir le coup, je pouvais pas bouger. Je pouvais pas bouger, j'étais dans l'animation. Ah, c'est relou de crever dans les animations par contre. Putain. Je fais pas bouger encore, c'est cool. Taper le gamin. Ça va niveau effet, niveau particules. Est-ce qu'on a fini ?
Est-ce qu'on a eu les trois pierres? Je crois. Ouais, on a eu les pierres. Oh, ok. Oh putain, une revenante à la con. C'est con ce que je viens de faire. Ça fait régène. Ça fait beaucoup de points. Voilà. Oh. Yeah! Ah, c'est stylé! Former une équipe redoutable! C'est stylé ça! Un cosplay? Ok, on fera du cosplay pour God of War 2. Faut voir que je me rase les cheveux par contre. Allez. Voilà, vil petit être. Eh bien, devenir un dragon n'a pas arrangé son caractère. Ah, Mika est brillante de l'enchaîner plus. Chance modèle d'obtenir un atout de grâce runique. Comment tu es une truc. Faut voir les stats. Faut voir les stats. Ça c'est pas mal, de la défense qu'on tue à la hache. Récupération et défense. Quand vous utilisez une attaque réussie. Plus de runes, augmente les dégâts infligés par les attaques runiques et les dégâts élémentaires. Ah, on a qu'un cas de mettre. Yay! Ça va s'activer quand on tape, donc c'est cool. Bon, Fafnir, c'est fait. Allez là-bas. Ouais, on est allé là-bas. Suivant. À Oriente. Dans Exvius, il y a le nouveau truc Omega là, qui vient de sortir. En disséminant les membres, on empêche l'âme de trouver le repos. Impossible d'atteindre le Valhalla ou Helheim quand tes bras sont sur une plage et ta tête sur une autre. Pourquoi ne pas demander à l'esprit? Je suis sûr qu'il te répondra sans détour. On a fini la... Oula, on a fini la quête. Bon, à propos de cette histoire que j'ai commencé, je devais te raconter l'histoire de Romney. La véritable histoire. C'était une grande bataille, non? Sur sa fresque, on le voit affronter les As. C'est une belle histoire, mais... fausse.
On n'a pas besoin de revenir là, on l'a déjà fait. Hein. Est né sans cœur ni tête. Les géants durent donc l'achever avec de la pierre. Il était fort, sans aucun doute, mais aussi simple d'esprit. Odin le vit un jour déambulant dans Midgard. Il le trouva si pittoresque et inoffensif, la cible idéale, qu'il l'invita dans son palais d'Asgard. Là, il abreuva Runeir d'hydromel. Il lui joua toutes sortes de mauvais tours, ce qui ne manqua pas de divertir la cour. J'y étais. J'ai vu l'As rire aux éclats quand Runeir a sauté sur son bouclier en jurant de tous nous tuer et d'emmener nos femmes à Jotunheim. Puis Thor est arrivé. Et a-t-il ri ? Oh non ! Thor regarda le bouffon de pierre ivre-mort et abattit Mjolnir sur sa tête si fort qu'il a aujourd'hui encore des éclats de Runeir incrustés dans son propre crâne. Thor fut si surpris par la pluie de pierre qu'il ne s'aperçut pas que le corps de Runeir s'effondrait sur lui dans un effroyable fracas. Et à nouveau, les rires de l'assistance résonnèrent dans les couloirs du palais. C'est une histoire horrible, Mimir. Rien à voir avec celle de ma mère. La morale de l'histoire, fiston, c'est que la vérité est rarement aussi belle que dans les mythes et légendes. La morale de l'histoire, c'est que si tu te fais inviter par Odin ou par Thor, t'y vas surtout pas. C'est ça la morale. Ah merde. Je l'ai loupé avec la hache. Va crever, quoi. Il y a Locke qui arrive. Ah, non, je peux plus. J'ai pas pu l'esquiver. Deus Ex n'est pas encore sorti. Ah, je vais pas regarder. Il y a le Victor a l'air pas mal. Ça a l'air d'être un nouveau tank. Ben, s'il me touche, il me tue, quoi. Fais chier. Je voudrais bien le bloquer, mais s'il me touche, je suis dans la merde. Ah, c'est bon. Ah, les vagabonds, hein, ils sont comac. Hein. Eh oh, je suis là. Mais le problème avec les 7 étoiles là qui arrivent, avec les nouveaux là, Adam Jensen et Victor, c'est que il y a les invocations à palier, mais il y a une seule chance d'avoir un des deux. Et on va sûrement pouvoir le faire deux fois. Donc à la limite, on va avoir un... Il y a quoi par terre? Un des deux, ou alors si on a de la chance, on va avoir deux fois le même, donc on peut le mettre en 7 étoiles. Ah, c'est le truc de givre. C'est pas intéressant. Mais après, pour avoir la super TMR, mais laisse tomber, quoi. Surtout que c'est des unités qui restent pas longtemps. Donc, en gros, tu balances 500 euros. Quoi. C'est pas vraiment les personnages qu'on va pouvoir avoir facilement. Mais. J'ai une question. Si Ymir était le premier géant, d'où est-ce qu'il venait?
Au commencement était Dinungagap, le grand vide. Il n'y avait alors aucun royaume, seulement des forces primordiales. Le feu et puis la glace. Dans le vide, leur rencontre produisit... L'eau ? Bien plus que de l'eau. L'essence mystique d'une chose entièrement nouvelle. De cette eau naquit Ymir, qui devint un être de création et de chaos. Mère et père de tout ce qui sera à la suite. Nous reprendrons plus tard. Ymir. Ah, moi je l'ai au livre, cette étoile. Je sais pas où je vais, je crois pas que je dois aller là. Peut-être une quête à finir, non? Viens. Je m'en rappelle plus. Kratos, prochain DPS de Exus, ça serait cool. Mais bon, c'est pas Square Enix, mais ça serait cool. Je crois qu'on est déjà venu, ça fait deux fois que je viens là, on l'a déjà fait. Je pense. On va en profiter pour voir le magasin. Voir s'il y a des trucs. Ou alors c'était la porte fermée. Qui fait son grand retour. Je vous avais pas dit que ça irait. Non, c'est bon. À l'atelier. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Non, c'est que du violet. À ton service, petit. Oh, ça y est, on a choisi. Pour choisir le 7 étoiles, moi je vais devoir choisir un Gilgamesh parce que j'en ai toujours pas. Enfin, il m'en manque un. Faible chance de générer une explosion de givre à chaque coup de hache réussi. Non, pas intéressant. Et on a le talisman des royaumes. Ça, c'est le ralentissement. Ouais, bof, non. Non plus. Acheter pierre de résurrection. À la limite, est-ce que c'est pas mieux de prendre une pierre qui redonne toute la vie plutôt? Maintenant, parce que la rage, c'est plus trop vraiment. À propos de cette autre chose. Plus trop vraiment utile. Ouais, on a fait ça, on se casse. Ouais, c'est le... On va pouvoir... Il faut se log tous les jours. Et en tout, il faut récupérer 10 tickets, là, spéciaux, là, les blancs, là. Je sais plus leur nom. Et après, on va pouvoir récupérer un 5 étoiles de notre choix. Parmi ceux qui vont en 7 étoiles, je crois. On va retourner chez nous. On va retourner chez nous parce qu'il y a des passages qu'on peut libérer maintenant. Et je sais qu'il y a une porte aussi. Chez nous, c'est où? Ah, on peut aller là aux mines aussi. Oh, yes, yes, yes. On va retourner à la maison. Ouais, non, mais ça fait chier là leur système avec les 7 étoiles pour les zones limitées. Je suis un dieu. Peut-être que je peux voler. Non, non. Même les dieux doivent rester sur le chemin, je t'assure. Une minute. Mimir, t'as appelé Brock et Sindri les frères Uldr. Oui. Mais ce sont des nains, pas vrai? Oui. Et les Uldr sont des esprits des bois? Oui. De ravissants esprits des bois enchanteurs. Alors pourquoi appeler Brock et Sindri les frères Uldr? Je viens de me rendre compte que ce n'était pas une histoire faite pour de jeunes oreilles innocentes. Ouais. Je crois qu'il y a une histoire un peu bizarre avec eux. On est de retour à la maison. Est-ce qu'on peut dormir? Non, on peut pas rentrer. Ok, là il y a un passage. Je me rappelle, je l'ai libéré il y a pas longtemps. On pouvait pas le franchir. Maintenant on peut. Magie. Magie, magie. Oh waouh, bien joué.
Oh. Oh merde, oh merde. Ça m'a pas touché. Non, si, ça m'a touché là-bas. Moi ou on est mal placé? Oh oh. Allez, trouve-moi des pierres. Pam pam. Ah merde, pas d'explosion. Je vais devoir faire une pause après. Un live sur Exvius ? Non, ça m'étonnerait. Salut Rick, bienvenue. Là où tu l'as, tu trouves ? Pas fini. Qu'est-ce que j'ai? Deux, troisième, allez. Non. Non. Oh la vache! C'est tout au même endroit ou quoi? Ça me gave. Je trouve jamais le troisième en fait, c'est super. Bien joué. Je crois qu'on va faire la pause maintenant parce que là...
J'ai combattu des Valkyries, j'ai combattu des géants, j'ai combattu des dieux. J'arrive pas à ouvrir une porte. Oh, ok. On va faire une pause. Ça m'a gavé. On va faire une petite pause, genre 5-10 minutes. On va se mettre sur Kratos en sourire devant la porte. Voilà. Petite pause.